Salut à tous, c'est BySanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite. J'ai plein de choses à vous montrer. On va voir le nouveau teaser que Fortnite a balancé pour l'événement de la saison 4. On verra aussi le retour de Siona, des petits secrets que Donald Mustard a balancé sur son Twitter. On verra les bus de combat qui ont été modifiés. Alors, petite nouveauté, je pense que ça va annoncer du lourd pour l'événement. Je pense que les bus de combat vont avoir une vie et que Galactus va pouvoir les endommager. Je vous montrerai ça in-game, tout le monde pourra le vérifier. Il y a plein de nouveautés. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper sur l'actu de Fortnite. Et grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur paysan Sancade à la boutique. Ça fait super plaisir. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup on va commencer avec le nouveau teaser que Fortnite a balancé pour l'événement de la saison 4. Je vous mets l'image à l'écran. Comment vaincre Galactus Astuce numéro 87. On n'a pas vu les autres. Prendre son réacteur dorsal. Préparez-vous pour le combat final le mardi 1er décembre à 22h. La date, l'heure on la connaît. On a aussi une nouvelle image. Donc sur l'image, en gros plan, on peut voir le skin Siona. A voir du coup quel rapport elle va avoir dans l'événement de la saison 4. Je pense pas qu'elle soit sur l'image pour rien. Peut-être qu'à un moment donné, rappelez-vous, il y a quelques saisons, on a dû trouver les pièces de son vaisseau pour qu'elle puisse repartir. Peut-être qu'elle a été informée les visiteurs que quelque chose allait arriver. Oui, on connaît pas encore la suite, pour l'instant c'est plus des théories. On voit aussi l'énergie du Nexus entre les jambes du coup du, du Skin Siona. Tout en bas, je vous fais un petit zoom. Et tout en bas de la enfin, partout sur le bas de l'image, on voit la map qui est en ruine. Donc là pareil, on l'a tous imaginé. Si jamais il y a un combat entre Galactus et les super-héros du pass de combat, si tous les joueurs se mettent sur Galactus, la map va être endommagée. D'ailleurs, on l'avait vu dans la vidéo spoiler, alors je vous la mettrai dans la, dans la description. Ceux qui veulent la voir, allez la voir, vous allez avoir des infos sur l'événement. Ceux qui ne veulent pas être spoil, ne cliquez pas sur la vidéo. Ensuite, Donald Mustard. Alors, si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous savez qu'à chaque fois, il lâche des petits secrets sur son Twitter, sur la bannière, dans la localisation, dans ses tweets, ses RT. À chaque fois, il lâche des petits indices. Là, il y a du lourd. Là, tout d'abord, il a changé la bannière avec une image de cailloux. Alors, on les reverra plus tard. Et dans sa localisation, il a marqué sur le bus de combat modifié. Et ça aussi, on en reparlera juste après. Donc vous allez voir, il y a plein d'indices, plein de petits secrets. On va revenir sur sa bannière, donc une image de Caillou. En tout sur son profil, il y en a trois. Donc je vous mets la première ici à l'écran. On voit, donc je vous ai fait un petit zoom. On peut voir écrit RIP Tilted. On reparle de Tilted, les gars, juste avant la saison 5. Avant qu'on ait le combat entre Galactus et les Super-Héros du pass de combat. On sait que la map va être endommagée. On l'a vu avec l'image de Fortnite. Et même si tu imagines dans ta tête un combat entre Galactus et des Super-Héros. Vu la taille de Galactus et la taille de la map. Elle va souffrir. On a vu aussi justement que dans les leaks, la map allait être fissurée en deux. A mon avis, on pourra plus jouer sur cette map. On l'a vu aussi sur l'image qui annonce l'abonnement mensuel qui a été annoncé officiellement par Fortnite. C'est pas vraiment un spoiler de l'événement, mais le sac à dos de ce skin, on voit bien la map qui est fissurée. Donc je pense qu'on a bien trouvé tout, euh, tout, tous les indices pour l'événement de la saison 4. Et si on zoome, et là aussi, ça a fait un petit débat hier soir sur Twitter. Si on zoome sur le caillou qui est en dessous du, du caillou, où on voit l'image Tilted Tower. Là, il y a une écriture. On n'arrive pas bien à voir ce qu'il y a. On voit qu'il y a une petite fleur dessinée, donc ça va avec l'ambiance des cailloux que Donald Mustard a déposé. Beaucoup pensent qu'il est écrit Help to Rebuild. En gros, aidez-nous à reconstruire juste en dessous du caillou RIP Tilted. Franchement, ça pourrait annoncer le retour de Tilted. Peut-être modifié, pas comme on le connaît et comme on l'a connu sur la map du chapitre 1, mais un peu la même chose. Dites-moi ce que vous pensez du coup de, de ces deux cailloux, RIP Tilted et Help to Rebuild. Est-ce que vous pensez du coup que ça annonce le retour de Tilted prochainement ou c'est juste des cailloux pour le souvenir Il y a quand même la petite phrase qui n'est pas très lisible en dessous Aidez-nous à le reconstruire. Franchement, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de revoir Tilted prochainement. Ensuite, autre caillou, du coup, là il y a un peu moins de secrets. Celui-ci, on peut voir du coup Be, be happy, you can, you up. Donc, là, si jamais vous arrivez à déchiffrer peut-être un petit message. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et ensuite, on a celle-ci. Alors, enjoy the journey, du coup, euh, bonne journée, si je dis pas de conneries. Mais ce qui a fait un peu un peu théorie hier sur Twitter, du coup, c'est les trois personnages qui sont en fond. Il a fait des belles photos. Il savait que ça allait être mis sur Twitter. Il aurait pu attendre que ces trois personnes se décalent. Et si on fait un petit zoom, la personne qui est tout à gauche, donc sur les trois personnes qui sont sur le, le haut de la colline, hier, beaucoup de personnes l'ont comparé à l'agent John Essie sur Twitter. On voit le costard, on voit un peu la chemise blanche, on voit les cheveux blonds. Tu vois, je me dis, il n'est pas là pour rien. Tu vois. En sachant qu'il a un Twitter avec des milliers de personnes qui le, qui le follow, il aurait pu attendre tu vois, que les personnes se décalent ou alors ne pas les prendre dans les champs de vision. Là, exprès, je trouve en plus, il y a le regard, tu vois, il nous regarde au loin, tout flou. En costard, on voit qu'elle a une chemise blanche, un peu comme Jeunesse. Dites-moi si vous pensez que c'est la George coup sur l'image et si vous, là aussi, vous pensez que c'est un petit indice pour l'événement de la saison 4. Ensuite, on est en partie privée. Et je vais vous montrer la petite nouveauté qu'on a trouvée sur les bus de combat améliorés. Je vais juste récupérer une arme. Je sais que les bots vont venir me chatouiller. Alors, c'est pas un truc de fou, mais on peut imaginer que Galactus pourra détruire les bus de combat chargés de bombes gamma, comme on l'a vu avec le petit trailer de, de Fortnite que je vous ai mis en début de vidéo. Et il faudra sans doute esquiver les attaques de Galactus pour que le bus garde sa vie. Alors, je vais vous montrer, c'est tout bête. Mais regardez le réticule, il va passer au rouge. Regardez, hop, là il est passé au rouge. Chose qui normalement n'est pas possible. Il y a une voiture qui est là-haut derrière. Hein, je vais vous montrer que ça marche pas comme ça. Là il est blanc, là il est rouge. Et ça avant ça fonctionnait pas. Il n'y avait pas cette, euh, cette option du, du réticule rouge sur, le, sur les bus de combat. Donc à voir ce que ça annonce. Je vais vous montrer sur une voiture impossible d'avoir ce, ce réticule qui passe au rouge. Ça fonctionne qu'avec les bus de combat améliorés. Comme si bientôt on, pourrait leur, on, on va pouvoir leur tirer dessus. Alors pareil, hein, le, le van de rétablissement, ça fonctionne pas. Regardez mon réticule, il reste blanc. J'entends marcher derrière, ça va, il me calcule pas. Là, on a la voiture pareil. Hein. Hop, impossible d'avoir le réticule qui passe au rouge. Je fais bien tout le tour de la voiture, je vous fais des petits S. Et je crois, attendez, je crois que j'ai pas d'image sur mon rec Ah si, ouf. Et du coup, impossible d'avoir le, le réticule en rouge. On va repasser sur le bus de combat et ça fonctionne avec celui-ci et tous ceux qui sont là. Donc c'est vraiment pour tous les bus de combat améliorés, on a ce système de, de réticule rouge qui a été ajouté dans la dernière mise à jour. Là il est blanc et bam là il passe rouge. Donc on dirait, tu vois regarde, c'est que sur les améliorations Tony Stark. Regarde bam là c'est rouge, là c'est rouge, je suis du coup l'amélioration du bus et bam dès que je passe à quoi que là à travers, alors je sais pas si ça bug et c'est à travers. Ah non en fait partout. Ah je pensais du coup que dès que t'allais sur le vrai bus tu vois c'était blanc. Et dès que tu passais sur une amélioration, c'était rouge. Tu vois là c'est blanc. Mais c'est plutôt un truc de distance à mon avis. Ouais tu vois là je peux pas le toucher. Et là je m'approche, c'est rouge. Donc je sais pas. Il y en a qui ont... ça, ça a tourné du coup sur, sur Twitter et Reddit, en, en tant que petite théorie. Donc si jamais vous avez des idées de ce réticule qui passe rouge, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je vais vous montrer rapidement que ça fonctionne aussi avec tous les bus, là les trois qui sont derrière sur le parking. Donc je pense que du coup, Galactus va pouvoir endommager les, les bus de combat. Hop, regardez, ça repasse rouge. Je m'éloigne, c'est blanc. Ça marche aussi avec celui-là. Ça marche vraiment avec tous les bus de combat. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde